Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et non, j'ai pas mis mes guirlandes de Noël autour du cou. Voilà notre fifi nationale. Allez, bouge, 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 bouge. Donc je disais, je n'ai pas mis mes guirlandes de Noël autour du cou. Non, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans les vidéos. Les nouilles, oui. Alors, une nouille, c'est quoi? Moi, j'appelle ça une nouille. Oui, c'est plus rigolo qu'une écharpe froufrou. Voilà. Moi, j'appelle ça une écharpe nouille. Donc, celle-ci, je l'ai faite il y a très longtemps. Oui, ça fait presque 10 ans. Que je crois que je l'ai faite, ouais, plus que 10 ans même. Et encore nickel, voyez. Je l'avais faite pendant que je faisais un salon. Il y avait tellement de visiteurs à ce salon que j'ai eu le temps de me faire une écharpe. Pour vous dire. Enfin, c'était pas vraiment un salon, c'était un truc de village. Voilà. Donc, une nouille, c'est ça. C'est chaud. Voilà, c'est une écharpe, voyez, qui s'entortille, comme ceci. Donc, celle-ci, elle avait été faite en laine velours. Me demandez plus les références de la laine, je ne les ai plus. Hein. Vous pensez bien, au bout de 10 ans, j'essaye de vous montrer de près. Voilà. Hop, pardon. C'était donc une laine velours. Avec du fil argenté dedans, donc noir. Et au bout, j'avais mis de la laine froufrou, comme ça, argentée. Que voulez-vous, hein ? On a l'habitude maintenant avec Fifi. Et donc, au bout, sur le dernier rang, j'avais mis donc une pelote comme ça. Argenté, voilà, noir et argenté. Donc ça, c'est une que j'ai faite, on va dire c'est un peu une de soirée. Je vais jamais en soirée, hein. Mais voilà. Et j'en avais fait une deuxième, plus grosse encore. Voilà. Là, c'était de la laine bergère de France. C'est pareil, hein. Ça fait très très longtemps que je l'ai faite. Donc, cette laine-là n'est plus sur le site. Voilà, je vous montre. Vous voyez, donc la très grosse laine. Moi, les écharpes nouilles, je préfère les faire en laine quand même un peu épaisse. C'est pour les faire fines, ça sert à rien. Hein. On a un petit truc là qui vous réchauffe pas le cou ni rien, qui est juste là pour faire joli. Donc voilà. Donc Fifi aura fini de passer, repasser. Voilà. Donc voilà. Donc c'est ça que l'on va faire ensemble. Et nous, on va le faire. Alors, pour vous parler franchement, c'est la troisième fois que je refais cette vidéo parce que je l'ai faite avec deux autres laines Action et ça m'a pas plu. Donc, j'ai effacé, j'ai pas continué, hein, bien sûr, mais j'ai effacé la vidéo. Et donc là, on va le faire avec cette pelote-là. Alors, bon, c'est marqué à l'envers, hein. Spécial velvet, voilà. Alors c'est, j'essaie de bien vous le montrer. Ça ressemble un peu à du velours, un peu comme la première, mais bon, un peu plus fin. Vous voyez. Donc c'est un peu bleu vert. Donc c'est des pelotes de 300 grammes. J'en ai deux. Donc je verrai combien j'en ai besoin. Il y a 288 mètres dedans. Et pour faire la bordure, je verrai si je laisse comme ça ou alors j'essaierai de retrouver une pelote comme ça à franges
On verra. Il va me falloir crochet. Donc là, c'est du 6-7. Mais j'ai sorti le 8. Je vais voir tout de suite en démarrant si ça va avec le 7. Ou s'il vaut mieux que je prenne du 8. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment on fait. On va commencer en démarrant par 100 mailles. Enfin, monter une chaînette de 100 mailles. Voilà. Et à la fin, on doit se retrouver avec... je ne sais plus exactement, j'avais calculé, mais on doit se retrouver à peu près entre 1200, 1500 mailles à peu près. Oui, ça va faire énorme, mais c'est pas tellement énorme. Voilà. Donc, je prépare tout ça et on se retrouve tout de suite. Alors, on va commencer. Donc, j'ai bien gardé, voyez, le crochet numéro 7 pour ce fil. Donc, on commence. Voilà. Oui. Une première boucle comme ceci. On prend le fil. Et on va tirer dans la boucle. Voilà, comme ceci. Donc, la première boucle qui est là ne compte pas pour une maille. Hein. La première maille est ici. Donc, voilà, une. Et on va en faire 100. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, et vous obtenez ça, voyez. Donc on va continuer. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Allez, je vous laisse finir les 20. Moi, je termine de mon côté et on se retrouve tout de suite. Voilà, on a terminé la chaînette. On a fait les 100 mailles. Voilà. Donc maintenant, on va faire des brides. Alors, les brides, on va faire deux brides dans chaque maille. Là, on refait. Là, on va refaire deux mailles en l'air. Trois mailles en l'air, pardon. Voilà. Vous allez prendre votre fil comme ça sur le crochet. Donc, une, deux, trois. Et vous allez piquer dans votre première maille de chaînette. Voilà, vous allez tirer le fil. Vous vous retrouvez avec trois mailles sur le crochet. Vous reprenez votre fil, vous en tirez deux, il vous en reste deux, vous reprenez votre fil et vous tirez les deux restantes. On tourne, on prend le fil, vous vous remettez, vous retirez dans la même maille.
de fond. Et on tire les deux autres. Voilà. On recommence. Et là, maintenant, on va aller dans la maille suivante. Je vais vous mettre un peu plus. Alors, attendez. Voilà. On prend. On tourne le fil sur le crochet. On pique dans la maille suivante. Vous prenez votre fil, vous le tirez dans la maille. Vous vous retrouvez donc avec trois mailles sur le crochet. Vous tirez le fil. Vous en passez deux. Il vous en reste deux. Vous prenez du fil. Vous tirez les deux qui restent. Voilà. On refait pareil. On reprend le fil, toujours dans la même maille. On prend le fil, on tire deux. On reprend le fil. On tire les deux qui restent. Voilà. On reprend le fil et là maintenant on va aller dans la maille suivante. On tire le fil dans la maille. On tire dans deux mailles. Oh là là. Et on tire dans les deux mailles qui restent. Et on refait une bride dans la même maille. On en tire deux. Il en reste deux. Et on en tire les deux qui restent. Voilà. Donc là, on a bien deux mailles dans chaque maille. Allez, j'en fais encore une avec vous et après on continuera comme ça jusqu'au bout. Je tire le fil. On tire sur deux boucles et on reprend le fil et je tire dans les deux boucles restantes. On prend le fil, on retire, on se remet dans la même maille. On tire dans les deux boucles. Voilà. J'en fais un peu plus vite. Voilà, allez, on va continuer comme ça jusqu'au bout. Et vous voyez, ça va commencer déjà un petit peu à tourner. Et on fait comme ça jusqu'au bout. Deux mailles, on fait deux brides dans chaque maille. Donc, vous arrivez au bout, vous aurez 200 mailles. Voilà, allez, je vous attends jusqu'au bout et on se retrouve tout de suite. Alors voilà, j'ai terminé mon premier rang. Voilà, je vous ai mis un papier en dessous pour qu'on voit mieux. Hein. Hop, hop, hop. Voilà, donc le premier rang est terminé. Voilà, ça me fait déjà un petit spaghetti. Hein.
Ça commence à s'enrouler. Alors maintenant, on va faire le deuxième rang. Alors, pour faire le deuxième rang, on reprend notre travail dans le bon sens. Voilà. Alors, on est ici au bout. Voilà. On va faire 3 mailles en l'air, comme tout à l'heure. Une, deux, trois. Et dans la première maille, ici, voyez, on va faire notre première bride. Alors, on pique dedans, on va chercher notre fil. Non, pardon, excusez-moi. On enroule notre fil sur le crochet. On va piquer dans le trou de la maille. On va chercher le fil. On ressort. J'ai 3 boucles. On reprend le fil. On tire sur 2 boucles. On reprend le fil. Et je retire sur 2 boucles. Voilà. On refait une deuxième bride dans la même maille. Donc, on passe le fil sur le crochet dans la maille, on va chercher le fil, on ressort, on a 3 boucles, on reprend le fil au-dessus, on sort 2 boucles, il nous en reste 2, on va chercher le fil, et voilà. Et donc ça, on va le refaire sur toutes les mailles. Pareil à côté. Parce que là, c'est toujours le même point, hein. Vous faites attention de ne pas trop serrer, hein, quand vous travaillez votre point. Voilà. Voilà. Et c'est toujours la même chose, hein. Voyez. Voilà ce qu'on obtient. Donc on a 2 mailles, deux brides dans chaque maille. Donc là on a démarré avec 100 mailles. Là on en avait 200. Et ici maintenant on va arriver au bout, on en aura 400. Voilà. Allez, vous faites jusqu'au bout comme ça et on se retrouve après. Thank you.
Alors voilà, le deuxième rang est terminé. Voilà, je vous montre. Hop. Donc, je vous rappelle, on avait 200 mailles au début. 100 mailles au début, pardon. 200 mailles au premier rang. Ici, maintenant, on est à 400 mailles. Voilà. Donc là, aujourd'hui, la première partie de la vidéo va s'arrêter. Je vais le faire en deux parties pour pas que ce soit trop long. On refera, donc, sur la deuxième partie, on fera le quatrième et cinquième rang. Et on verra si on a besoin d'un sixième rang ou pas. Puisque ça dépend de la grosseur des laines ou des fils, puisque là-bas c'est plutôt un fil, si on a besoin de plus de rangs ou pas. Voilà. Donc là, on a la chaînette, le premier rang, le deuxième rang. Et la prochaine vidéo, donc on fera le troisième, le quatrième rang. Et ensuite, et on verra si on a besoin d'un cinquième rang. Voilà. Donc, si vous voulez vous avancer, si vous êtes en train de le faire en même temps que moi, si vous voulez vous avancer sur le troisième rang, on va faire exactement la même chose pour le moment. Donc, ici. Hop, alors. Quand vous êtes ici au bout. Voilà, là vous êtes au bout de votre rang. Vous allez reprendre dans ce sens-là, bien sûr. Ici, vous allez faire 3 mailles en l'air. Hein, je vais commencer, c'est pas grave. Voilà, 3 mailles en l'air. Allez, ah bah alors. Les 3 mailles en l'air. Et on recommence à faire nos brides comme on a fait pour les deux autres rangs. Voilà. Oui. Voilà. Et on fait toujours deux brides dans la même maille. Voilà. Donc, si vous voulez vous avancer en attendant la deuxième vidéo, vous pouvez. Donc, vous faites le troisième rang exactement pareil que le premier et le deuxième. Comme ça, jusqu'au bout. Donc, trois mailles en l'air et vous me faites deux brides dans chaque maille. Voilà. Allez, je vais remettre, j'ai pas remis mon papier, mais voilà. Avec le papier, vous verrez peut-être mieux. Voilà. Donc, si vous avez des questions en attendant, ben, n'hésitez pas à me les poser en barre en commentaire, hein, j'y répondrai. Et on se retrouve dès demain, je ferai la deuxième vidéo pour que vous n'attendiez pas trop longtemps pour la deuxième partie. Et sinon, ben, on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. À très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bon crochet en attendant si vous voulez vous avancer un petit peu. Bisous, bisous.